We blijven in Brussel, maar over iets helemaal anders, want Brussel verkwanselt zijn architectonische erfgoed. Het bekende Art Nouveau-restaurant De Ultieme Hallucinatie gaat morgen dicht. En in Elsene wordt een Art Deco-gebouw gesloopt en vervangen door, wat had u gedacht, een flatgebouw. Het gaat om het Hotel Le Berger. Minder bekend misschien, maar wel geliefd bij veel koppeltjes. Want Hotel Le Berger is het oudste rendezvous-hotel van het land. Robin Ramakers kende het gebouw en kreeg een laatste rondleiding door de 86-jarige gerant Freddy Martens. Alors vous avez vu sur nos portes, il y avait des indications, hôtel, chambre et studio, venu pousser la porte. L'entrée de l'hôtel est strictement interdite aux femmes de mœurs légères. C'était une façon élégante de dire prostituée, enfin. C'était uniquement les rendez-vous. Ça a été créé pour les rendez-vous. Au départ, la clientèle était une clientèle bourgeoise, des commerçants, des industriels qui avaient un peu de revenus. Et c'était la belle époque. Ils venaient manger avec leur ami. Ça pouvait être une amie de rencontre ou leur secrétaire parti. Enfin, ils venaient. Et alors, c'était conçu pour ça. Voilà, vous avez, au lieu d'avoir des miroirs au plafond, c'est des miroirs sur le côté. Ici, c'est Art Déco, hein, y a rien à faire. Hein. Les mœurs ont changé, les besoins de la clientèle ont changé, c'est-à-dire que maintenant, je crois que sur le plan des rapports, ce n'est plus une question de coupe, c'est quelque chose de fort égoïste et qui doit être fabriqué. Je crois que les gens, maintenant, ont besoin qu'on les chatouille pour qu'ils rient. Parce que rire, non. Donc, même sur le plan des rapports hommes-femmes, il faut beaucoup d'artifices. Et ici, il n'y a pas d'artifices. Les principaux acteurs sont le couple. Voyez-vous, ça encore, cette époque, hein, tout ça, c'est des choses qui datent. Hein. Alors, encore une autre ici, hein. Voilà encore un autre type de chambre. La salle de bain, c'est toujours à peu près la même chose, ça ici. Voilà un autre type de chambre. Voilà toujours ces arrondis-là, hein. Ces tablettes de verre avec des verres énormes. Une fois, il y avait quelqu'un qui était décédé dans la maison. Oui. Mais comme c'était un monsieur qui était bien ici, mais on l'ignorait. C'était un commissaire de police. Ah ouais. Alors, quand on est venu faire le constat, parce qu'on n'a pas appelé le 900, on a appelé la police puisqu'il était décédé. Et qu'ils se sont aperçus que c'était quelqu'un de leur milieu, ça a été le silence total. On a tout gommé. On l'a. Comme s'il n'avait jamais été dans la maison. Ici, il y a un ascenseur de sortie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui sort ne peut pas rencontrer celui qui entre. Parce qu'ils arrivent dans des endroits différents. C'est-à-dire que si vous avez un monsieur qui vient avec son ami et que son épouse vient avec son ami, ben, même à ce moment-là, ils ne pourront pas se rencontrer. Parce qu'ils ne passeront pas par les mêmes endroits. Bon, ben c'est la chambre rose, comme disent les clients, disent c'est la chambre rose. Voilà. Alors, est-ce que vous regrettez que ça va finir comme ça? C'est évident que ça fait partie de ma vie, hein, 40 ans, vous savez. Oui, j'ai des regrets, hein. Et puis aussi, j'ai des regrets parce que je crois que ça me donne une limite d'âge. Le fait d'arrêter, ça va nécessairement me rappeler que j'ai 86 ans et qu'il est temps d'arrêter. C'est ça surtout, c'est le fait que jusque maintenant, je croyais avoir 20 ans. Ja, want alles verdwijnt uiteindelijk toch.